KS 2049. C'est Bex à la prod. Eh hey, mon pote, okay. tu sais, dans ma culture, celle du monde occidental, tes actions sont reconnues, seulement si elles sont rentables. On valorise la paix en légalisant le port d'armes. Amoureux de l'Afrique, pour son or et son coltan, accro à la connerie et au portable. Censé t'ouvrir des portes, mais qui creuse des pierres tombales. Où y'a mort d'homme, où y'a mort d'âme. Qui méprise les gens de couleur, sauf si s'appelle Zizou Jordan. Monde hégémonique, à la morale bien pensant, cagé avec parcimonie. Tout en cachant ses penchants, qui à l'époque pour faire son beurre misait sur le futur de l'Iran. Qui aujourd'hui renverse des dictateurs, armes de futurs tyrans. Prend pour parole d'évangile les propos de BHL. Qui s'emmerde plus à lire, sauf si c'est un FHM. Là où on enferme ceux qui brisent les tabous. Là où on dit que les banlieues parisiennes sont pires que Kaboul. Est-ce que je perds mon temps à dénoncer ça? D'autres l'ont fait, d'autres le font, ça fait 6 siècles que c'est comme ça. Le pire dans cette histoire, c'est que j'y participe sur ce morceau. Ce que financent mes euros pèse sur mes dorsaux. Conclusion, je ferais peut-être bien de me taire, mais la vérité se fait rare comme une averse en plein désert. Alors je continue, car les bâtards font de même. Et quand on crève la dalle, eux s'achètent des villas en front de mer. Et dis-toi que c'est les états qui bigrappent des calages. C'est les mêmes qui s'indignent une fois qu'il faut compter les cadavres. On a choisi des terres comme on choisit un parking. On a mis tout le monde en échec avant de commencer la partie. Monde occidental a compris, rien mérité. On en est là aujourd'hui car on agit sans méditer. Trop de choses me viennent, je sais pas si je pourrais tout dire. Car juste de me contredire, et là je préfère mourir. Les moralismes éteux vont venir jouer les pompiers. Y'aura un altermondialiste, une paire de Nike au pied, un ultranationaliste, fan de Jean-François Copé, prêt à me couper l'herbe sous le pied, au fond de l'estropié. Et bref, je viens d'un monde qui fait la morale, qui quand le vent tourne, tourne sa veste comme Alain Soral. Qui se développe sur le dos des autres et en profite. Au final j'ai mal à croire qu'un autre monde est possible. Montée du fanatisme, retour des croix gammées. Ça me donne envie de dégueuler comme l'obsolescence programmée. Le peuple devrait se lever mais on lui a coupé l'envie. L'internet, la télé sont là pour tromper l'ennui. Les pronos finissent blasés, les glandos finissent tasés. Les clodos eux, bah ils finissent écrasés. Belle moralité au pays des droits de l'homme. Sa voix du noir mais seulement pour étancher sa soif de l'or. Monde de merde. Ouais mais je vais pas chialer car j'ai qu'à ouvrir mon frigo pour mettre à dalle. Besoin de solution mais j'en ai même pas une. Donc en gros je vaux pas mieux que ces connards dans les urnes.